Aujourd'hui, on est avec nos amis de Jason Vlogs. Bonjour. Salut. On va passer une journée à l'hôtel Legoland. Et on aimerait que vous vous joigniez à nous. Parce que... Pour les enfants, c'est gratuit. Legoland, Legoland. Oh! Bonjour, nous voudrions nous enregistrer. Combien pour 3 adultes et 3 enfants? Ici, tous les enfants séjournent gratuitement tout l'été. Pour chaque adulte payant, un enfant reste gratuit. Ok. Ok. Voici la carte de votre chambre. Profitez de votre séjour. On a les clés. Où sont passés les enfants? Suivons-les. Allez. Voyons voir nos chambres sans les adultes. Les enfants, attendez-nous! Oh non! Prenons les escaliers. Bye! 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 Wow. J'ai hâte de voir ma chambre. Wow! C'est un vrai royaume. Wow. On dirait un vrai château. Quel lit! Wow! Je suis une figurine Lego. On va voir la salle de bain. Nickel. Waouh, regardez-moi ça. Waouh, un lit superposé. Hein? Qu'est-ce que c'est? On va voir. Waouh! Waouh, je peux jouer dans ma maison. Mais je peux aussi jouer dans ma maison. Cette figurine aussi. Ce sera un bon souvenir. Ivan, qu'est-ce que tu penses de ta chambre alors? Hé hey, papa, c'est trop bien ici. Et les souvenirs, ils sont trop cool. Regarde. Ivan, tu peux pas faire ça. Mais pourquoi? Il est formellement interdit d'emporter les biens de l'hôtel. Il y a d'autres clients qui, eux aussi, voudraient bien jouer avec les Lego. Ah ok, je vois. C'est bon, j'ai tout remis. Super, n'enfreins plus la règle maintenant. C'est compris. Magnifique. Puisque tu as appris la leçon, j'ai une surprise pour toi. C'est une tâche. Des indices sont cachés dans la pièce qui débloqueront la boîte au trésor. La boîte au trésor? On va trouver les réponses. La première question est la suivante. Combien de casques vois-tu sur le sol? 1 2 Non, ça fait 2. 2 casques. Quel numéro se trouve sur le recto du grimoire du sorcier? D'abord, on va devoir le trouver. Oh, le grimoire du sorcier. 5. La question suivante. Combien d'épées ont été laissées sur le sol? Ok. J'en vois une. 2. Et 3. Ici.
Combien de sorciers ont laissé tomber leur chapeau? 1. 2. Je crois que j'ai le code. Déverrouillons le coffre. Et 3. Wouhou! Wow! Encore des Lego. Merci pour les cadeaux, Legoland. Voici mon étage. 304. Mais c'est où? C'est là-bas. Waouh, le tableau. Et la télé, le lit. Mais c'est parfait. Waouh, mais c'est une chambre de ninja. C'est trop cool. Je vais mettre ma valise juste ici. Waouh, je vais dormir ici. Pas le temps pour dormir. Je vais faire la fête. Vous entendez cette musique forte? Mais ça peut déranger les autres invités. Oh non! C'est Jason qui a mis la musique forte! Jason, tu dois arrêter de mettre la musique forte! Quoi? Je t'entends pas! C'est ça, Jason! On ne peut pas mettre la musique forte! On va déranger tous les autres voisins! Ok. Jason, on ne peut pas sauter sur le lit. Mais pourquoi? Parce que tu peux le casser. Il est interdit d'abîmer les biens de l'hôtel. D'accord. Bon travail, Jason. Je suppose que ma chambre sera vraiment jolie. Wow! C'est un endroit pour les vraies princesses. Mais aujourd'hui, je vais être la princesse. La princesse Mania a faim. Il faut que je trouve de la nourriture. Il faut garder à l'esprit que manger trop de sucreries est très malsain. C'est une vie de luxe. Maria, on y va. Qu'est-ce que tu fais? Je déjeune. Maria, tu ne peux pas faire ça. Mais pourquoi? Parce qu'il est interdit de jeter des détritus dans les chambres d'hôtel. Allez, nettoie ça. D'accord, papa. Je vais nettoyer. Aha! Papa, j'ai fini de nettoyer. Très bien. N'enfreins plus les règles maintenant. Je crois qu'il est temps d'aller dîner. Allez, on y va. C'est un stand de nourriture pour enfants. Wow. Je veux encore du maïs. Des nuggets. J'ai envie de tout prendre. Un tas de nourriture. Quoi d'autre tu pourrais prendre? Les enfants,
Vous êtes sûr de pouvoir manger toute cette nourriture? Je suis trop plein. Et vous allez faire quoi de toute cette nourriture? Eh bien, je sais que nous allons emporter cette nourriture dans notre chambre. Non, non, stop. On ne peut pas faire ça. Mais pourquoi? Les hôtels ne permettent pas d'emporter la nourriture du restaurant. Vous devez prendre autant de nourriture que vous pouvez manger. Mais on fait quoi de la nourriture, du coup? On peut vous aider avec ça. J'ai pas besoin d'aide. On va jouer. Stop! C'est interdit aux chaussures ici. Tu dois retirer tes chaussures. D'accord, j'ai compris. C'est rétabli. Super! N'enfreins plus la règle maintenant. Nous sommes prêts! Je ne pense pas. Retournez dans vos chambres et regardez à nouveau. Nous garderons un œil sur vos valises. Ok. Ok. Ah, je dois encore vérifier ma chambre. Ok, ouais, il y a une photo. Non. Allô? Non. Est-ce que c'est une boîte? Non. Oh, ma casquette! Parfait! Je suis sûre que j'ai rien oublié. Mon livre? Ah, ok. Si je dois la vérifier, je vais le faire. Rien. C'est ma poupée! Encore une règle. Vérifiez vos chambres avant de quitter l'hôtel. Sinon, vos affaires seront perdues. Je pense qu'il est temps pour nous de partir. Merci d'avoir passé la journée avec nous. Bye. 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 C'est le rouge. Wow! Ma couleur, c'est le jaune. Ma couleur est le vert. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces poupées? Ah, allons regarder, elle a peut-être des indices sur ce qu'il faut faire. Oh yes! Commençons! C'est l'heure d'aller au lit, de mettre les bébés au lit. Ok, trouvons les berceaux. J'en ai trouvé un, il est vert! J'ai trouvé le jaune. Yeah! Le mien est rouge. Suite. C'est l'heure du dîner. Il faut nourrir tous les bébés. Ok, c'est parti. Le premier est là. Finissons-en.
J'ai trouvé le dernier. Est-ce que tu as faim? Voilà, il a bien mangé. Et voilà le dernier. Il est temps de le changer. C'est le moment de la faire tourner. Quoi? Les bébés ont besoin de faire pipi. Mettez-les sur les pots. Ok. Le premier est rouge. Le deuxième est jaune. Je l'ai trouvé. Le dernier est vert. Hey! Qu'est-ce que t'as à faire? Je regarde pas. Faisons encore une petite chose. Maintenant, il faut mettre des couches. C'est parti. Presque fini. C'est fait. Berk. Ah, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble pas à du pipi. C'est parti. Ok. Habiller les bébés. Ça a l'air plutôt facile. Allons-y. Bon, faut le trouver. La première est une valise rouge. Allons-y, il faut trouver les autres. La seconde, c'est une valise jaune. Je l'ai trouvée. La dernière, elle est verte. Oh yes. Yeah. Oh, des chaussettes si petites. Je ne pense pas que ce soit à ma taille. Oh yes. Ça te va bien? Bon, il est temps pour le deuxième bébé. Je pense que tu as besoin d'un bonnet. Autour des chaussures. Le dernier, mais non des moindres. C'est trop mignon! C'est un sac si cool! Et maintenant, la dernière touche. Tout est fait! Dernier défi! Réaliser une aire de jeu pour les bébés. Ouais, oui, faisons-le! Faisons-le! Go, go, go!
Je l'ai trouvé! On va essayer de trouver le mien. Je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des jouets rouges! Waouh! Maintenant, on va décorer les piscines! Commandons quelque chose pour le déjeuner, j'ai faim. Moi aussi. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez manger? Attendez une seconde. Pizza, s'il vous plaît. Oui, une pizza pour deux, s'il vous plaît. Ok. C'est l'heure de faire la pizza. Il faut d'abord préparer la pâte. Presque prête. Olives. Champignons. Pepperoni. Oh yes! Laitue. Finissons notre pizza. Ça sent trop bon. Oh yes! On va essayer. Hein? Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une vraie pizza. Oh, vous vouliez une vraie? Désolée. Mais apprenons à faire une vraie pizza. Oui, faisons-le. Papa, papa, tu veux de la pizza? Pizza, j'adore la pizza. Bien sûr que je veux de la pizza. On aimerait apprendre comment faire de la pizza. Ok, cuisinons de la pizza. Qui sait ce qu'il faut faire en premier? Tout d'abord, il faut que l'on se lave les mains. Se laver et se nettoyer. Parfait. Maintenant, vous devez mettre vos tabliers. Les enfants, est-ce que vous êtes prêts à préparer une pizza? Oui! Yeah! Les principaux ingrédients de la pâte sont la farine, l'eau, l'huile, la levure et le miel. Et pepperoni! Oh yes! Allez, on y va! La première étape, c'est de mélanger la farine et le sel. La levure doit être ajoutée à l'eau et au miel. Yeah! Poivre, huile et miel. J'ai vraiment hâte d'essayer. Ça va être trop bon. Stéphie, t'en penses quoi? C'est parfait. Papa, on fait quoi ensuite? Maintenant, il faut mettre de la farine sur la table. On y va.
Maintenant, il faut mettre la pâte sur la table et commencer à la pétrir. Oh, beaucoup de farine. Ok, prochaine étape. On va faire un massage à notre pâte. Laisse-moi essayer. Ok. C'est cool. Laisse-moi essayer. Il faut étaler la pâte. Wow. Et ensuite, ajouter la sauce tomate, les pépéronis et le fromage. Du concentré de tomate. Et ensuite? C'est l'heure du fromage. Yes! J'aime vraiment le fromage. Wow! Yummy! Et la partie la plus délicieuse. Pepperoni! Papa, notre pizza est prête! Beau travail, les enfants! Maintenant, on doit attendre 15 minutes. Ok. Mais maintenant, c'est l'heure de la surprise. Wow! Allons-nous manger des petits gâteaux? Oui, Stéphie. Mais on va d'abord les décorer. Quel type de gâteau tu voudrais? Je vais choisir des cupcakes licornes. Est-ce que je peux avoir un cupcake super-héros? Je vais choisir les cupcakes sirènes. Très bon choix, les enfants. Wow! C'est parti! C'est vraiment magnifique. À mon tour maintenant. Vous pensez quoi de mes cupcakes? Je les adore. C'est trop cool. Maintenant, c'est mon tour. Regardez mon cupcake! Dasha, tu t'es bien débrouillée! Waouh! Excellent travail, les enfants! Oh. Les enfants, la pizza est prête! Maintenant, nous savons comment cuisiner une pizza! La meilleure nourriture est celle qu'on prépare soi-même. Mais seulement avec les adultes. Waouh, c'est incroyable. Comment est-ce possible? C'est l'heure de la magie. C'est lourd. Ça rebondit. Waouh. C'est l'heure de la meilleure partie. Waouh, c'est incroyable. Hein? Waouh, je veux ça aussi. D'abord, j'ai besoin de slime. Juste ce qu'il me faut. Je peux le faire comme Ivan. Pourquoi ça ne marche pas?
Waouh, il l'a presque mangé. Ce truc ne marche pas. Stéphie, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais du slime comme la tienne. Mais je crois que mon aimant est cassé. Non, tes aimants sont parfaits. C'est juste que je joue avec du slime magnétique. Du slime magnétique? Exact. Oh, d'ailleurs, j'ai une idée pour rendre toi aussi ton slime magnétique. Super! Tu dois ajouter cette poudre de fer à ton slime pour le rendre magnétique. D'accord. Parfait. Maintenant, tu dois bien mélanger. Comme ça, nickel. Il manque quelque chose. Ivan, je peux ajouter un peu de beauté dedans? Bien sûr. Tu peux décorer ton slim comme tu veux. Commençons. Est-ce que je peux essayer? Oui. Merci de m'avoir aidé. Pas de problème. C'est fait. On va commencer l'expérience. Ça marche. Waouh, c'est génial. Stéphie, maintenant je vais te montrer comment fonctionne ton slime magnétique. Tu as besoin de poudre de fer encore, de l'eau et un aquarium. C'est le moment de mettre la poudre. Et maintenant, c'est l'heure des aimants. Comment est-ce possible? Les aimants ont tendance à attirer le fer. Et c'est pour ça, en fait, que ton slime attire les morceaux de fer vers l'aimant. Waouh! C'est de la vraie magie! Eh bien, en fait, il n'y a rien de magique dans tout ça. Un aimant, ça a deux pôles. On va essayer ça. Tu mets quelques aimants ici dans le coffre. Les pôles opposés des aimants s'attirent entre eux. Et c'est pourquoi on peut attirer ce camion. Waouh ! Tu peux voir sur cet aimant le pôle sud... et le pôle nord. Et ils sont opposés? Exactement. On va intervertir les côtés et tu vas voir que les mêmes pôles se repoussent l'un l'autre. Wow. Je peux essayer? Ouais, bien sûr. Un aimant peut-il attirer n'importe quoi? Eh ben, on va voir. Je vais cacher les objets dans cet aquarium. Et ta tâche, ça va être de les retirer à l'aide d'un aimant. C'est bon. Maintenant, essaye d'attirer les objets avec cet aimant. Wow. Essayons encore. J'ai réussi. Je vais essayer aussi. Tu vois? Ces objets-là ne sont pas en fer. Du coup, ils n'ont pas été attirés par l'aimant. Parce que les aimants ne peuvent que attirer le fer ou d'autres aimants. Compris. C'est très intéressant. Ok, Stéphie. Bon, si tu veux bien, on va faire une autre expérience. Oui, faisons ça. Pour cette expérience, on va avoir besoin d'un boulon, d'un aimant et d'un liquide magique. On met ça ici. Et on fait couler ça ici. Je veux essayer. Bah, vas-y. Wow. Allez, on va essayer encore un truc avec ce liquide. Ok. Il faut maintenant qu'on mette un peu de ce liquide dans le bol. Aha. On dirait un hérisson.
dirait une gelée d'hérisson. Beau travail, Stéphie. Maintenant, on va jouer avec nos limaces. C'est parti. Il l'a avalé. On va mettre des yeux dessus. Et un aimant. Ça a l'air trop cool. Je veux aussi rendre mon slime vivant. Bonne idée. On y va. Oh, c'est trop mignon. J'ai envie de faire le mien, moi aussi. On va y mettre des yeux. Ah, il est trop mignon. Il me donne envie de le caresser. Ivan, jouons à un jeu. Quel slime mangera l'aimant en premier? Ok, on y va. Allez, mec, allez, allez. Tu peux le faire, allez. Yay, mon slime a gagné. Bien joué, Stéphie. Merci, Ivan, pour ce jeu passionnant. La science peut être intéressante et amusante. C'est vrai. Faisons le défi des boules à eau. Ouais, hey. Choisissez votre couleur porte-bonheur. Chacun d'entre vous a des vies. Pendant la bataille d'eau, ce nombre changera en fonction de votre capacité, si vous êtes bon ou pas. Est-ce que tout vous paraît clair? Vous êtes prêts? Oui, papa! Wow! Yeah! Yeah! Et le bleu? Le bleu pour Alex. Voilà. Papa, aide-moi. Stop. Et voilà. C'est trop lourd. C'est bon. Celle-ci. Mais attention, les fléchettes sont pointues. Les enfants, faisons une bataille de ballons d'eau. Non, 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 je joue pas là. Vous pouvez même jouer en dehors de vos piscines. Ah.
Les enfants, la bataille d'eau est terminée. J'ai un nouveau défi. Vous devez faire éclater les ballons. Comment on peut faire ça? Wow! Que le défi commence! Challenge est terminé. Félicitations, beau travail d'équipe. Nous devons lancer la balle et viser le trou. Allez. Yes, maintenant c'est mon tour. C'est mon tour. Maintenant, papa. C'est parti. Let's go. Le challenge est terminé. J'ai un challenge surprise pour vous, les enfants. Ça, c'est pour toi, Dasha. Et ça, c'est pour toi, Alex. Aha. Ah, je pars. J'aime bien ça. Maintenant, il est temps de lancer la fusée ensemble. Wow! 3, 2, 1! Wow! Ouais! Yeah! Wow! 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 Oh! Jouons à un jeu, tu dois répondre à des questions. Si tes réponses sont justes, on fera des expériences super intéressantes. Combien de couleurs y a-t-il dans l'arc-en-ciel? Je sais, les couleurs de l'arc-en-ciel sont le rouge, l'orange, jaune, vert, bleu, bleu foncé et violet. 7 couleurs au total. Bien joué, Maria. Stéphie, nomme les couleurs primaires et secondaires. Les couleurs primaires sont le rouge, le jaune et le bleu. Les couleurs secondaires sont orange, vert et violet. Beau travail, Stéphie.
Dernière question pour Dasha et Alex. Quelle couleur ça donnerait si... Bien joué, Dasha et Alex. Si on mélange les couleurs jaune et bleu, ça ferait du vert. Ouais! Bien joué! Vous avez fait un travail incroyable en répondant aux questions. J'ai préparé quelque chose d'intéressant pour vous aujourd'hui. On va faire quelques expériences. Ouais! Wow! Chacun d'entre vous choisit une balle. Wow! Yeah! Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Fusée! Arc-en-ciel! Lune! Étoile! Vous devez mettre cette bombe de bain sur l'eau et vous allez voir un effet super intéressant. Étoile! Oh, ça devient pétillant quand ça touche l'eau! Oui, il y a une science intéressante derrière elle. Les bombes de bain pétillent à cause d'une réaction chimique entre l'acide citrique et le bicarbonate de soude. C'est génial! Ah ah! Wouhou! Wow! Wow! Vous pouvez maintenant essayer de peindre sur l'eau avec vos pinceaux. Hey, vous avez aimé cette expérience? Oui, on a aimé! Et notre expérience amusante du jour? Aha! Et l'équipe, aujourd'hui, on va explorer les propriétés de certaines substances que vous connaissez très bien. Oui, ça a l'air bien! Allez-y, choisissez une autre balle porte-bonheur. Yeah! Ah. Y a quoi à l'intérieur? Le bain de gelée. Wow! Alex, prends ça. Défi, prends ça. Yay! Ouais! Les enfants, saviez-vous qu'Orbis peut absorber et retenir des centaines de fois leur poids sans se dissoudre? Des centaines de fois leur poids? Waouh!
vous vous rendez compte? Alors, qu'est-ce qui fait grossir les orbises? Bonne question. Et vous, qui regardez sur YouTube, vous en pensez quoi, vous? Peut-être l'eau? Bien sûr. Ce sont les molécules d'eau qui font grandir Orbis. Stop! 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 Hé, les enfants, j'ai une activité bien plus intéressante pour vous que celle-ci. On va jouer à toucher-couler avec des ballons d'eau. Oui, c'est parti! Vous en pensez quoi? Les ballons d'eau, ils vont couler ou flotter? Alors, on va le découvrir. 1, 2, 3, allez! Le mien coule, ouais! Le mien flotte, ouais! Le mien coule, ouais! Le mien flotte, ouais! Pourquoi les objets coulent ou flottent dans l'eau? Si un objet est plus dense que l'eau, il coulera. S'il l'est moins, il flottera. C'est super simple. Merci, noté! Le slime, c'est super amusant. Mais est-ce que vous savez comment il fonctionne et pourquoi il se comporte comme ça? Non, on sait pas, dis-nous! Alors maintenant, regardons la taille du slime. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'elle est liquide ou est-ce qu'elle est solide? Je pense que c'est solide. Je pense que c'est liquide. Il n'agit pas comme un liquide, mais il ne garde pas non plus sa forme comme un solide. Vous voyez? Alors c'est quoi le slime? Le slime, c'est un liquide non newtonien. C'est incroyable, en fait c'est à la fois un liquide et un solide. Intéressant, merci Vania. Maintenant j'en sais plus sur le slime. Est-ce que tu savais que tu soufflais une version naturelle de ce liquide par ton nez? Une version naturelle? Bon les enfants, vous avez aimé nos expériences? Oui! J'espère que vous avez aimé nos expériences d'aujourd'hui. Et si oui, merci de mettre un j'aime sur la vidéo. On va à l'école. Alex et Dasha sont déjà dehors. Bonjour. Bonjour. Dépêchons-nous d'aller chercher les prochains élèves. Je crois que je vois Steffi. Bonjour Steffi. Bonjour, je suis prête à aller à l'école. Steffi! Steffi, bonjour! T'as oublié quelque chose? Oh, mon sac d'école! C'est bon, je suis prête! Viens! Il y a deux autres élèves. Je suis prêt pour l'école. Cool, c'est Ivan! Bonjour. Bonjour Ivan, tu peux y aller. On est en retard, un autre étudiant attend. Il semblerait que Maria est en retard. On va devoir y aller sans elle. Les enfants, n'oubliez pas d'attacher vos ceintures et profitez du voyage à l'école. Yeah!
Regardez les avions que j'ai. Cool. Pas mal. J'en ai un aussi. On va voir quel est l'avion le plus rapide. Ouais. Qui a lancé ça? Oh. Oups. Oui, oui, oui. Les enfants, vous devez respecter les règles de sécurité dans le bus. C'est pourquoi les avions sont interdits. Ok! J'ai quelque chose d'autre. Quoi? Du slime, je vais essayer. J'ai le slime. J'ai du slime aussi. J'ai du slime aussi. Du slime, du gros slime. Et ça, c'est mon slime. C'est vide, j'en ai pas besoin. Oh non! Hé, vous jetez des déchets dans le bus. C'est interdit dans le bus. Le bus doit être propre. Désolé, je le referai plus. On peut rien faire d'amusant dans ce bus. C'est ennuyeux. Mais j'ai une idée. Dormir? Mais c'est pas drôle. Jouons à cache-cache. Oui, jouons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Let's go! Les enfants, la règle principale dans le bus est de ne pas quitter son siège pendant que le bus se déplace. Ok, ok! Oh, je crois que je vois déjà l'école. Les enfants, arrêtez. Commençons la leçon. Ok. Quel son est-ce que cet animal fait? Non, non, non. Ce n'est pas un loup. C'est un chien. Silence, silence. Passons au prochain animal. Voici un lion. Quel son fait-il? Je sais. Correct. Voici une vache. Quel bruit font les vaches? Faisons un peu de maths. Stéphie, une banane plus une banane égale... deux bananes. Beau travail. Dasha, deux pommes moins une pomme égale... trois. Yes, parfait. Faux, 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 c'est faux. C'est pas trois. Dasha, Dasha. Deux moins une égale une. Un. Oui, cette fois tu as juste. Un. Ivan. Un ananas plus deux ananas égale... trois.
Tu ne te trompes jamais, Ivan. Bien joué. Et maintenant, parlons des couleurs. De quelle couleur est cette voiture? Rouge! Exact. De quelle couleur est cet animal? C'est noir! Non, il est blanc! C'est noir! Blanc! Noir! Le zèbre est noir et blanc. Vous avez tous raison. Le zèbre est noir et blanc. Et pour finir, de quelle couleur est... Le cours est terminé. Au revoir. Ouais, ouais. Au revoir. Bye bye. Bye bye, bye bye, à bientôt. Bye bye, Dasha. Bye bye, Sophie. Bye bye, Ivan. Bye bye. Et on rentre à la maison. Waouh! Waouh! Salut les enfants! Regardez, j'ai un défi pour vous. Aujourd'hui, on va jouer à cache-cache. Et ce, dans des boîtes en carton de couleur. Waouh! Waouh! Chaque joueur doit approcher la roue de la fortune et déterminer son parcours. Ensuite, chacun a 5 minutes pour trouver sa boîte de couleur et se cacher. Si je trouve quelqu'un, vous devez rejoindre mon équipe et m'aider à trouver d'autres joueurs. Et pas de triche. Est-ce que c'est clair? Rouge! Vania Mania Keys! Vous avez seulement 5 minutes pour trouver votre boîte et vous cacher. Commençons le défi! C'est parti! Vous vous êtes vraiment caché? J'arrive très bientôt! J'ai l'impression que t'as besoin d'aide? Oui, aide-moi à entrer à l'intérieur. Ok. Dépêche-toi, Steffi. Il y a beaucoup d'espace ici. J'aime bien. Allons par là-bas. Dans quelle boîte je devrais me cacher? Celle-là? Trop grande. Peut-être... celle-là.
Ah, aussi trop grande. Waouh, celle-là. Excellent. Personne va me chercher dans une petite boîte. Hein? C'est pas ma couleur. Oh! Oh, yes! Ouais, c'est ma couleur. Fantastique. Oh, yes! Oh! Le temps est écoulé. Prêt ou pas, j'arrive. Je suis là. Je vais vous trouver. J'ai seulement 3 essais pour chaque couleur. Si vous voulez que j'ouvre cette boîte, mettez un pouce en l'air sur la vidéo. Hey! Vert, c'est la couleur de Maria. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle insolence! J'ai raté un essai. No way. Où êtes-vous? Les enfants! Ivan! Y a quelqu'un ici? Maria! Où es-tu? Oh, une si petite boîte. Qui est-ce qui pourrait se cacher dedans? Laissez-moi deviner. Un cafard? Je sais pas. Oups. Quel est ce bruit? Quelqu'un vient d'éternuer? No way. Oh non! Mais d'où vient ce bruit? Laissez-moi deviner. Ça venait pas d'ici. Mais le son venait de ce coin. Awesome. Haha, trouvé! Oh ouais! C'est pas moi! Je suis trop heureuse de te voir, papa! Papa a trouvé Stéphie. Stéphie, allons en trouver un autre. C'est parti. Ouais. Oh ouais. Moi un. Je veux aller aux toilettes. Stéphie, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être qu'il y a quelqu'un ici. Non. Non? Et celle-ci? Non. Et cette boîte? La verte? Non. Wow. Alex, tu es là? Non. Oh non, ils sont près de moi. Excuse me? Ces enfants n'arrivent pas à se taire. Le son vient d'ici. No way. Comment t'as pu te retrouver ici? Excellent! Fantastic! Qu'est-ce que c'était que ça? Dasha. Je t'ai trouvé. Tu m'as trouvé. Tu m'as trouvé. Trop bon. Les filles, allons voir les boîtes près de la roue de la fortune. Personne ne se cache si près. Allez. S'il te plaît, regarde.
Alex. Bon, il en reste deux. Je dois m'asseoir tranquillement pour qu'il ne me trouve pas. Je suis sûr que je vais gagner. Maintenant, les joueurs doivent changer la boîte actuelle par une autre. Mais ils doivent s'assurer de se cacher dans la boîte de la couleur de la carte. Vous avez seulement 30 secondes pour vous cacher. Fermez les yeux, les enfants. Ok, les choses sérieuses commencent maintenant. C'est parti. Ok, sœurette, je plaisantais. Ne sois pas en colère contre moi. Je garde un œil sur toi. Ok. Excuse me? T'inquiète pas, sœurette. Je te regarde. Enfin. Je vais jouer honnêtement. Tricher, c'est mauvais. Excellent. Il reste seulement Maria et Ivan qui se cachent. Allons-y. Vous êtes prêts? Bien sûr, ils vont pas nous le dire. Je pense qu'Ivan se cache ici. Hey! Oh non! Ah, où est-ce qu'il peut être? Regarde dans cette boîte géante! C'est vide, juste une araignée. C'est vide! C'est pas la bonne couleur. J'ai dit rouge ou vert. Oups. J'ai le sentiment qu'on devrait regarder dans une autre pièce. Mais attention, écoutez le moindre bruit. Ok? Oui, oui, papa! Celui-là, le vert? Un, deux, trois! Non! C'est vide. Je pense pas qu'il soit là. Voyons voir ces boîtes. On y va, Alex. Regardons. Je sais pas s'ils sont là, mais je veux changer d'endroit. Oh non. Je vais essayer. Excuse me? No way. Regardez. Vania, on t'a trouvé. Ouais, on t'a trouvé. Oh non, je voulais être le dernier à être trouvé. Est-ce que t'as vu où Marie s'est cachée? Dis-moi-le, je le dirai à personne. Jamais. Trouve-la tout seul. Ivan a été trouvé. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. On a fini! Fantastique! Merci à tous d'avoir suivi les règles. On attend beaucoup de likes de votre part aujourd'hui. Autant de j'aime que de boîtes ici. On espère que vous avez aimé notre défi une couleur. Bonne nuit, Alex. Bonne nuit. Oh. Alex? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh.
Alex, tu dois dormir ici. Ok. Alex, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. J'ai une idée. Allons-y. Viens, viens, Alex. Tu vas bien maintenant? Oui, papa. Ok. C'est le lit. Qu'est-ce qu'il y a? Alex? Un monstre. On va voir. Oh, pas de monstre. Pas de monstre. Pas de monstre. Pas de monstre sous le lit. J'ai une idée. S'il revient... Peux-tu me dessiner? Oui. Allons-y. Oui. Aha. Fini. Fini? Oui. Ouh. Wow, regarde, c'est moi. Oui. On va dessiner mon visage. Oui. C'est toi. Oui, c'est toi. Oui. Oh, c'est toi. T-shirt? Oui, t-shirt. C'est fini. Oui. C'est toi, papa. On va me découper. Oui. Oh, excellent. Ouh. Est-ce qu'il me ressemble? Oui. Il va te protéger. Oui. Oh, yes. Oh. Bon rêve, mon petit. C'est moi. Je vais te protéger. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Alex, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Il y a un monstre. Monstre? Là-bas? Oui. Je vais voir. Ah! C'est un jouet! C'est un jouet, cafard. Juste un cafard jouet. Oh, Marcus, salut là-bas. Allons-y. Alex, il va te protéger. Prends ça. Allonge-toi. Bonne nuit, bon rêve. Alex, au secours, Alex. Au secours! Au secours, Alex, aide-moi! Qu'est-ce qui se passe? J'ai trop peur! Il y a quelqu'un sous mon lit! Pas de monstre! T'es sûr? Oui! Peux-tu voir, s'il te plaît? Oh, yes. Wow! C'est Luc! Luc! Je t'ai pas reconnu! C'est Luc, notre chien. Luc, petit chien. Bonne nuit. Bonne nuit. Bye bye.
Il n'y a pas de monstre. Salut, nous sommes de la chaîne Vania Mania. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3, santé. Les amis, nous sommes de l'Atlantis, la maison du meilleur management. Aujourd'hui, toute la journée n'est ouverte que pour nous. On nous peut utiliser n'importe quel manège, faites ce que vous voulez. Il y a plus de 100 manèges. Waouh! Alors j'ai un défi pour vous. Qui effectuera le plus grand nombre de trajets? Moi, c'est moi. Moi, bien sûr. Non, moi. Tu n'as même pas besoin de participer, car je monterai 100 toboggans. Non, moi. Tous 100 en total? Oui. Waouh, vous êtes des fous. Allons-y. Allons-y. Le meilleur. Ce parc aquatique s'est avéré plus grand que je ne l'imaginais. J'ai dû courir beaucoup pour avoir le temps de visiter plus de diapositives. J'avais trop peur dès le début. Non. Eh bien, j'ai plus de points. Oh, allons-y. J'ai peur. Quelqu'un m'aide. C'est la plus belle journée de ma vie. Qui a inventé ce défi? Je préférais rester ici. Je pense que ce manège n'est pas si effrayant. Allons vérifier. Dans lequel allons-nous? Midus ou Hydre? 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 Ok, allons-y. Abonnés, pour qui vous inquiétez-vous le plus? Vania, Mania, moi, maman. Votez dans les commentaires. Je suis là. D'accord, êtes-vous prêts? Oui. Qui sera le premier? Moi. Nous attendons les fous verts. Allons-y! Nous l'avons fait! Une autre diapositive. Nous sommes lourds alors, nous sommes arrivés en premier. Ils sont légers. Le parc aquatique était complètement vide, il n'était ouvert pour nous pour 24 heures. Oh non, 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 si, je ne vais pas, si, je ne vais pas, si. Non, 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 c'est le plus effrayant, non, non. J'ai tellement peur. Non, non, non. Tiens, papa. J'ai tellement peur. Pourquoi ai-je eu la diapositive la plus effrayante? Oh non. Maman, au suivant. Non. Ok, maman. Non. Oh mon Dieu, j'en ai tellement peur. Wow. Go, go, go. Où est l'on en surf? Qui sur? Comme ça. Ok, allons-y. C'est ma première fois. Le surf, c'est glisser sur une vague avec une planche spéciale. Tu dois prendre la vague. Je montre sur le planche pour la première fois. Je pense que c'est pas mal. Sais-tu que le record officiel du surf est 3h55 minutes sur une vague? La plus grande vague était enregistrée à Alaska, d'une hauteur de 524 mètres. Je suis prêt. Allons-y. Faites. Encore un fait intéressant de ma part. À l'université de Plymouth en Angleterre, vous pouvez obtenir un baccalauréat en surf. Ce n'est possible qu'en dans 3 autres universités dans le monde. Je pense qu'après aujourd'hui, je peux facilement recevoir ce diplôme. You win. Je suis un super surfeur californien. Fantastic. Maintenant, c'est mon tour. Je n'aimais pas. La planche ne cesse de glisser. Je peux rien voir à cause de l'eau. Oh non, le surf n'est pas mon truc. Les garçons, je m'abandonne. Et même une fois, les vagues me jettent hors du toboggan. J'ai résisté presque une minute. Ça me paraît que Vania
est le meilleur. Alors, il a plus de points. Les abonnés, qu'en pensez-vous? Qui est le meilleur surfeur parmi nous? Vania, Mania, Papa ou moi? Celui qui reçoit plus de votes aura des points additionnels. Ah, c'est trop dur. Go, go, go! Maintenant, je vais sauter des scènes. Moi aussi. Allons-y. Papa? Non. Oh, j'ai peur. Allons-y. Fille sur la gauche, garçon à droite. 3, 2, 1. Ouah! Ça me rapportera 10 points. Trois, deux, un. Sur le territoire du parc aquatique de l'ambassadeur Lagrange, il y a plus de 65 000 habitants marins. Juste incroyable, si proche. Quelle langue de queue! Il sourit, regarde, il sourit. Et notre voyage continue. Et la prochaine étape est la balade avec les requins. Effrayé? Ah oui, moi aussi. Je suis trop vieux pour ça. Je suis fatiguée. Mais c'est complètement sûr. Tu seras derrière. Une vitre, mais très proche. Dans de tels moments, il semble que je sois dans un vrai conte de fées. Requin, raie, poisson coloré, le tout à bout de bras. Je n'avais jamais vu ça avant. C'était cool. Beaucoup de requins là-bas. Où est papa? Wow. Je suis là. Allons-y. Allons-y. Cette fois, Mania a décidé de venir avec nous. Et ça veut dire qu'on marque tous un point. Youhou! Non, attends. Je veux gagner. Donnez-moi plus de points. Waouh! Waouh! Guys, c'est le toboggan le plus haut de Moyen-Orient. Près de 40 mètres long. Qui va? Pas moi. Vous? Moi? Juste moi? Oui. Et toi, d'accord. Allons-y, allons-y, allons-y. Non! Allons-y. Attention, allez, allez. Rendez-vous là-bas. Eh bien, bien sûr, qui d'autre pourrait avoir un toboggan? Bien sûr, papa. C'était ici. Ok, allons-y. Vérification de poids de papa. Couvert, nous passons. Ouais. Allons-y. Je pense que j'ai changé d'avis. Arrêtez! Ah! Go, go, go! Cela compte aussi. Ah ouais? Allons-y! Plus un. Vania, ce n'est pas un toboggan. Oui! Yay! Allons-y! C'est un saut d'eau. Mais quand? Plus un. Plus un. Allons-y. Non, je n'irai pas. C'est seulement pour les enfants. D'accord. Pour moi, plus un. Plus un. Plus un. Vas-tu faire du toboggan pour enfants? D'accord. Ça compte? Oui. Allons-y. On veut y aller. Oh non, restriction de taille. J'ai une idée. Écoute-moi. Eh bien, nous pouvons certainement gravir cette colline. Regardez, nous sommes si petits. Je peux? D'accord. Eh bien, nous avons beaucoup d'autres diapositives sympas. Wow! Ouais!
Regardez, les enfants, il y a près de 23 manèges, mais la plupart sont réservés aux enfants. Mais nous pouvons essayer, allons-y. Je vais certainement gagner ce défi. Plus un. Non, je le suis. Non, c'est moi, parce que je suis le plus rapide. J'ai plus dextérité. Ah bon? On va voir. Je refais plus de toboggans. Maman et papa sont définitivement derrière. Ascendance familiale. Ouhou! Tout le monde reçoit des points. Je pense que je dois ajouter des points pour le charisme. Bien sûr, papa a les diapositives les plus effrayants. C'était tellement effrayant. Oh mon Dieu. Allons-y. Wouh! Celle-ci. Oh les enfants, qui vient? Toi et toi. Tu choisis lequel? Violet, violet, violet. T'es rouge? Allons-y. Allons-y. Maintenant, nous sommes prêts. Promets encore ça. Non, c'est juste pour les petits. Je vais faire des vélos pour les enfants. Plus un. Laissez-moi t'aider. Oups, vous n'avez rien vu. Et abonnez-vous à notre chaîne Mania et Vania. Go, go, go! Shadow. Plus un. Garçon, garçon contre Griffy. Nous avons gagné. Plus un. Non, nous avons gagné. Plus un. Wow, un si bon gars. Pour ce toboggan, nous avons besoin des petits enfants. La prochaine fois, nous aimerions recevoir un achat avec nous. C'est aussi un jeu. Que pensez-vous, les abonnés? Plus un. Allons-y. YouTube, abonnez-vous. Go, go, go! Moi! Moi! Mais non, moi! Il y a une fin de 3 mètres de haut. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est tellement important parfois de s'autoriser à être un enfant, d'être dans l'instant, de se mettre au défi, d'être proche de sa famille, de se réjouir, de se rire, d'aimer fort. Notre vie est faite de tels moments, ressentis uniquement avec des émotions vives. Je suis même prêt à donner mes points pour cette diapositive à Mania, à cause de son beau sourire. Ouais, allons-y. Viana pour une course cool, et Diana à cause de sa beauté. Et j'ai obtenu un point des abonnés car je suis le meilleur commentateur.
sortait-il de cette rivière, les gars? Oui. C'est un... D'accord. Le sol. Nous sommes prêts. Allons-y. Allons-y. Combien pensez-vous que ce trajet coûte 5, 10, peut-être 20? Peut-être 0? Pourquoi 0? C'est long, c'est marrant. C'est humide. Alors c'est 3? C'est 3. Wow. Tellement amusant. Oh, Vania, les filles dorment presque. Elle s'enfuit. C'est amusant. Maman, réveille-toi. Regarde. Je pense que nous pouvons ajouter un point de plus pour ces chutes d'eau. Mais qui a gagné? Vérifions les résultats. Et le gagnant est... Vania! Vania! Et le prêt principal est... Que penses-tu? Burger. Non. Milkshake? Non. Hot dog d'un mètre de long. Wow! Viens. Oh, mon Dieu. Tu aimes ce prix? Oui. Tu dois manger à ça tout. C'est comme une punition, pas un prix. Wow. Je vais partager avec vous. Merci. Ça peut pas. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Vania Mania. Au revoir. Thank you.
Ha ha!
le bassin. Sirène, sirène, elle nage très très bien. Sirène, sirène, elle vit dans le bassin. Sirène, sirène, elle nage très très bien. Sirène, sirène, elle vit dans le bassin. Sirène, sirène, elle nage très très bien. Elle vit dans l'eau et ne peut pas marcher. Elle ne s'énerve pas. Elle peut encore nager, parler. Sirène, waouh, waouh, c'est une amie. Sirène, waouh, waouh, elle est notre amie. Jolie queue, vraie queue. Jolie queue, vraie queue, queue comme une baleine. Wow. Yeah. Yeah. Wow. J'aime mon amie sirène. Je l'aide toujours. Mon aide est utile, même si c'est le travail le plus difficile. Sirène, waouh, waouh, c'est une amie. Sirène, waouh, waouh, elle vit sous le lit. Jolie queue, vraie queue, sirène, waouh, waouh. Jolie queue, vraie queue, queue comme une baleine. Elle vit dans l'eau et ne peut pas marcher. Elle ne s'énerve pas. Elle peut encore nager et parler. Sirène, waouh, waouh, c'est une amie. Sirène, waouh, waouh, elle vit sous le lit. Jolie queue, vraie queue, sirène. Jolie queue, vraie queue, queue comme une baleine. Sésame, ouvre-toi. Steffi, je vois une moto pour toi. Yeah. Tada.
Stéphie, regarde. Elle grandit tellement vite. Essayons celle-ci. Celle-ci. Regardons pour quelque chose d'autre. Steffi, nouvelle voiture pour toi. Celle-là est cassée, celle-là est aussi cassée, et celle-là a besoin d'un cheval pour fonctionner. Je sais pas quoi faire. Tout ça, c'est poubelle maintenant. Attends, j'ai une idée. Faisons un vide-grenier. Comme ça, on va pouvoir tout vendre. Vide-grenier, visitez notre vide-grenier. Vide-grenier, venez ici. Pour mon bébé. Choisissez ce que vous voulez. Ok. Bien?
Vide grenier. Vide grenier. Vide grenier. Vide grenier. Tu as de quoi la payer? On a une offre spéciale pour toi. Regarde ça. Écoute. Je l'aime. Tu devrais payer d'abord. Je vais t'aider. Au revoir. Waouh, on a tout vendu. Regarde ça. Maintenant, nous avons assez pour un vélo. Ouais, maintenant on peut en acheter une nouvelle pour toi. Allons-y. Steffi, essaye ça. C'est trop gros. La sécurité avant tout. Choisis-en. Ok. Celui-là. On veut celui-là. Oui, très bon choix. On va construire une caravane dans notre jardin. Wow! Non. Ça, c'est cher. Wow! C'est exactement ça qu'il me faut. Excellent! Yes! Wow! Wow! Le colis! Ouvrons-le! Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? On doit le nettoyer. Oui. Joli. Du popcorn. Commençons à construire. J'ai besoin d'un tournevis. Nickel.
On a besoin de fenêtres. Oui. Maintenant, on doit couper ça. Tu as besoin de couper quelque chose? Oui. Je peux vous aider. Faut que j'y aille. On va rendre la remorque bleue. Non, on va la faire rose. Rose. Bleu. Rose. Bleu. Rose. Bleu. Rose. Stop, stop, stop. Faisons-la des deux couleurs, ok? Ouais. Oui. Bleu pour Ivan et rose pour Maria. Oh, yes. Oh, yes. De réparer la porte. Perfecto. Ah, c'est bien mieux. Ivan, yeah! Tu dois utiliser de la colle pour ça. Oh yes! C'est le moment pour le rideau. Aidez-moi à construire la clôture. Ok. Oh yes. Aha. Et on doit aussi construire un chemin. Aha. C'est solide. Oh yes. Quelque chose. Ah, j'ai une idée. Regardez ça, les enfants. C'est tellement cool. Je veux aussi un toboggan. Bien sûr, t'inquiète pas. Donne-moi une minute. Maria, le toboggan pour toi est prêt. Papa, tu es le meilleur. C'est pas tout. Regarde ce que j'ai fait sur le toit. Wow! Oh yes! Wow! Je veux trop tester! Remplissons la piscine avec des boules! Oh non! C'est un piège! Je suis bloqué! Wow! Allons à l'intérieur! Alors on va la remplir. Jouons à qui soufflera le plus vite dans le ballon. Ouais. J'ai fini. Regarde. Quoi? Laisse-moi t'aider. De rien, ma sœur. Merci, mon frère. Les enfants, regardez ce que j'ai. Woo-hoo!
que la bataille d'oreiller commence. Les enfants, arrêtez de vous battre. Hey, regardez ce que j'ai pour vous. Yes! Waouh, c'est tellement cool. Vous voyez? Waouh, c'est trop beau. Excellent. Enfin, je peux maintenant me reposer.